français. Nous voici devant notre commandant. Nous venons de recevoir un signal de détresse de l'avant-poste 88. Pas de temps à perdre, lieutenant. Envoyez un groupe composé de nos meilleurs marines. Accrochez-vous, soldats. On va passer en hyper vitesse. On approche, chef. J'ai un mauvais pressentiment. On a droit à deux personnages, Marines et la Marines. Remarquez qu'elle ressemble fort à Jill Valentine. Coïncidence, je ne pense pas. On va commencer avec Marines. Et voilà. Alors ce jeu-ci, je le verrai très bien tourné sur Amiga par exemple. Ou sur une bonne arcade de l'époque, précisément. Si. Mais il tournerait sans souci, je pense, sur un Amiga. J'ai qu'à fouiller au tout début pour tirer. Je prends mes marques. Voilà, donc comme Smart TV, des hôtes qui apparaissent dans des pièces, des arènes, il faut absolument tuer afin de pouvoir accéder à d'autres pièces. Vous remarquerez à gauche que j'ai 4 billes. 40 de munitions, 3 grenades et 6 badges. Alors, au final, on peut sauver ben, des gens. En allant sur eux. Voilà, c'est pas sûr. Mais attention quand même, je suis tout seul, il n'y a personne pour courir. On va aller à gauche, à droite, on va aller à gauche, par exemple. Déjà venu par là. C'est le problème, on se perd assez facilement dans les labyrinthes, mais heureusement quand on retourne dans une pièce qu'on a déjà nettoyée, les monstres ne repartent pas. Tant mieux sinon ce serait infernal. Ah ben j'ai plus de munitions, c'est pas grave, je vais aller chercher les grenades. J'économise ces grenades, c'est pour le boss. D'avoir facile, c'est quand même gérable. Je vous montrerai après en difficile ce que ça donne. Hop là. Malheureusement, j'ai tiré sous les tonneaux. Mauvais moment. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Tout simplement. Thank you. De rien, mon ami, tu dois bien m'écouter. Voilà le boss. Boss de la zone 1, Shima. Un peu plus de vêtements. J'espère le battre parce que. Game over, malheureusement. Mais il y a des continues. Alors, les trois continues. C'est vraiment un jeu à l'ancienne.
vais continuer d'imiter. Ça va. Le boss était déjà assez bien maintenant. Vous avez dit Fushima. Note C. Pas mal, pas mal. Le record était de 68 000. Les ennemis extraterrestres et leurs acolytes ont été neutralisés. En route pour le complexe. Terminer une zone sans... J'ai pas eu le temps de dire. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce jeu aussi, c'est qu'on peut customiser ses personnages de façon à ce qu'ils soient plus performants pour la suite. C'est là que l'on voit l'intérêt des badges que l'on ramasse dans le jeu. Salut Ganou, ça va bien? Est-ce que tu as déjà essayé ce jeu? Il est vraiment génial. Alors ici, augmente votre santé. C'est Xenokrisis à Genio Retro, sorti en 98. En 2018, voilà. J'ai dit n'importe quoi. Non. Il est tellement rétro que j'ai l'impression qu'on est des années 90. Alors, santé, augmentez votre santé max, c'est intéressant, je prends. Augmente vos munitions max, ça c'est bien aussi. Augmente la puissance de vos armes, je prends. Voilà. Ah, j'avais un continu, mais je prends, de toute façon j'avais passé. La musique est équipée aussi. Watch your back. Dommage, je vais plus que probablement streamer de l'Ascam CPC. Ganou. C'est très bien l'Ascam CPC. Et je pense que je vais streamer Rambo 3. Parce que vraiment, je l'avais sur l'Ascam CPC, mais je sais pas pourquoi je... jamais trop accroché à ce jeu-là à l'époque. Ce serait peut-être bien de voir un peu ce qu'il en est réellement. Il y en a qui me disent qu'il est génial, un peu prof. Ce serait bien que je me fasse ma propre idée. Vu que j'y ai pas beaucoup joué, c'est pas beaucoup avancé. Ça, quelque part, ça suit un peu ce jeu-ci. Parce que c'est aussi un running gun. Avec à peu près la même chose. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas général. Ah, les munitions vite tout de suite. Voilà, ça termine. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon cher Gadou? Ton nom du poids de beau dans le plat qui est le tien. Ah oui. Oh, jeu que j'ai fini beaucoup de fois. Ah bah du coup, si t'es là demain, tu pourras me conseiller. Comme ça, je suis sorti, donc je fais du tour. Heureusement que les monstres dans les salles où on a été, ne reportent pas. Effectivement, mes armes sont plus puissantes. Pas mieux parce que les saletés de sorte. Bestioles rampantes, là, en forme de fleurs. Sont plus coriaces. Aïe 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 aïe. Aïe. On va pas lui sacrifier une grenade. Continue. Yes. Tiens, c'est dedans.
bagarre, mon colonel. On n'a pas peur. Donc si tu as connu Ganou, c'est un Smart TV Dike. C'est un excellent jeu. Un jeu d'arcade, si je ne m'abuse, je ne sais pas d'ailleurs. Ah, j'ai un mauvais réflexe. Ah bah c'est déjà le boss. Dead Viper. La vitesse à la mort. D'accord. Ouais, c'est touché la tête. Ah, c'est là. Oh. Ah, ça va, ça va. Voilà. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Yes. T'es détendu. Oh, tu déçus. Tambo. Ah ouais, Tambo, ça le fait. La direction de celle où tu vas en fin de chaque boom influence tel le jeu. Je sais pas exactement. Je pense que, bah, que tu as plusieurs chemins pour aller jusqu'au boss, à mon avis. Plusieurs salles à visiter. Dans certains, tu pourras peut-être avoir des bonus. Je sais pas. Je découvre le jeu en fait. Je ne pense pas que ça ait une réelle influence sur le jeu. Alors nous avons interrogé un habitant du coin qui nous a indiqué l'emplacement du nid extraterrestre. Allons-y. Ma direction toujours est toujours au même endroit. Ou malgré la direction, tu atterris toujours au même endroit. Je pense que tu atterris au boss en fait, à un moment donné. Quelle que soit la direction que tu prends. De toute façon, il y a des impasses aussi. Hein. Tu vas dans une salle et en fait c'est une impasse. Donc je crois que réellement tu n'as qu'un seul concret chemin à prendre. Alors, power, puissance augmente la puissance de vos armes. C'est 24 maintenant, presque un coup d'inus, c'est dommage. C'est quoi ça? Puissance des grenades augmente la puissance des grenades. Je prends. Les boss, c'est bien. Augmente vos munitions max. C'est quoi ça? Grenade. Augmente votre capacité en grenade. 6 plus 7. Ça fait 13, c'est très bien et ça c'est. Masque à gaz, voilà, ça. Et ça, voilà. Ça paraît très bien. Zone 3. Hey, ça on n'avait pas avant, je me suis même surpris. Ah, juste. On va battre celui-là, bon. Ah, il faut des petits, ça va pas. Voilà. Ah, ils sont plus là. Putain, hein, j'ai pas vu ma vie bêtement. Ah merde. Encore un coup de. Il y en avait tout un. Ok, donc on rentre par ici. D'accord. Ici, ça se passe à l'extérieur. Épicieux. Bon,
moi qui n'ai pas de chronomètre. Concentration, bien. Parce que j'ai aussi une grenade, mais j'ai une gag de grenade pour le boss. Ah, double rocher. Je vais essayer d'utiliser le rocher à mon avantage. Sac de coquille. Ah, il disparaissait, bon. Ah. Merde. J'ai gaffé. Higo. Oui, ça fait penser à Komodo. Xeno Crisis. Dommage. J'avais été loin quand même. C'est dommage d'avoir raté au tout début du troisième stage.